Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Littoral, qui est donnée aujourd'hui sur le toit de la capitainerie du port Camille-Rayon, à Golfe-Juan. On a voulu savoir comment fonctionne un port de plaisance, quels sont ses acteurs et qu'est-ce qui se passe sous le rideau du VIP. Aujourd'hui, en deux actes, nous aurons le port de plaisance en toute saison. Le port Camille-Rayon, c'est avant tout une équipe qui veille à la fois à la sécurité des yachts, à la gestion du matériel, mais c'est surtout un port qui prend des allures d'un hôtel 5 étoiles durant l'été pour accueillir ses invités. Je vous propose tout d'abord notre sujet, le port Camille-Rayon, une affaire de famille. Au port Camille-Rayon, il y a de la place pour tous les bateaux, du plus modeste au plus grand. Ces 13 hectares abritent 841 bateaux, allant de 6 mètres jusqu'au super yacht de 75 mètres de la Grande Plaisance. Corinne Dany travaille à l'administration de la capitainerie et connaît bien les besoins des équipiers et des propriétaires des yachts du port. On a deux services un peu distincts, bien distincts. Même on a le service exploitation qui s'occupe principalement des quais, du plan d'eau et des commerces. Et le service administratif, on s'occupe de la gestion, de la location et de l'accueil principalement des clients. On demande beaucoup de discrétion par rapport aux propriétaires des bateaux qui sont souvent qui appartiennent à des sociétés offshore. Donc on est en relation principalement avec les capitaines des bateaux. On a des clients importants, donc on leur donne tous les services. Surtout en pleine saison, on est obligé d'être à leur écoute 24 heures sur 24. Ça demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de discrétion. On est obligé de gérer un petit peu le planning de dernière minute et ça ressemble un petit peu à de l'hôtellerie effectivement. On est principalement axé sur la sécurité avant tout puisqu'on doit accueillir tout bateau qui est en difficulté. Ça, c'est notre priorité. En effet, à cause des matériaux modernes employés dans la construction des bateaux, l'ennemi numéro un, c'est le feu. Mais sécurité veut aussi dire protéger les lieux. Je vous écoute. Ouais, je travaille au COSI et j'ai pas la carte encore. Mes patrons n'ont pas fait la carte. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît ? Ok, je vais vous ouvrir, mais il faudra passer à la capitainerie pour régulariser. Je dirige les équipes d'agents de sécurité et les équipes d'agents de port. Voilà. Les agents de port font le même travail que les agents de jour, dans la nuit. Et avec un accent sur la sécurité. Il y a des rondes qui se font sur le plan d'eau. On a des caméras, on a plusieurs caméras sur le site. L'agent de port s'aperçoit quelque chose qui ne va pas. Il prévient l'agent de sécurité qui va intervenir. On accentue sur la sécurité. Outre la sécurité, les agents du port sont debout bien avant ces marins. Dès 6h du matin, les agents achèvent leur tournée de comptage de bateaux pour relever les départs nocturnes. Le pointage, ça fait quand même partie intégrante de notre travail, c'est-à-dire qu'il faut pointer tous les bateaux qu'il y a sur le port pour en fait voir s'il y a eu des entrées, des sorties. Tous les matins, en fait, c'est ce qu'on fait. On fait tout le port à pied en pointant tous les bateaux, c'est-à-dire qu'il y a environ 850 bateaux. On doit pointer les 850 bateaux. Le milieu marin est extrêmement corrosif, et pas seulement pour les métaux. Le port doit remettre à neuf les quais et chaque année, les agents exécutent les travaux hivernaux. Cette année, c'est au tour du quai 38. On a des pontons à neuf à refaire quai 38, qui a été fait l'année dernière. Ça commence par appeler les clients qui sont sur le quai 38. On enlève tous leurs bateaux, on les met provisoirement sur d'autres places libres. Ensuite, la société prévue pour faire les quais arrive, et là, ils enlèvent tout, les vieux appontements en béton qui sont fissurés, qui sont cassés, et ils refont le nouveau quai. À l'arrivée des beaux jours, les mouvements des yachts s'amplifient et les agents sont aussi là pour aider avec les manœuvres. Il faut aller au 3604, le bateau Birdé. Il t'a paqué. Ok, j'y vais. On sait les bateaux qui doivent arriver ou qui doivent partir. C'est un roulement qu'on fait constamment. Arrivée, départ. Tel bateau il vient, tel bateau à telle heure. Dans ces cas-là, le premier qui appelle sur le canal 9, on lui dit de patienter dehors. On prépare son poste et dès que le poste est prêt, on le fait rentrer. Et dès qu'il est rentré, on lui donne de l'eau, de l'électricité. L'amarrage fini. On leur dit au revoir, merci et bonne journée. D'origine niçoise, la nouvelle recrue Amandine amène de par son expérience une toute autre facette à l'équipe. Je venais déjà des métiers de la mer. Je venais de quitter la marine nationale. Donc je voulais me reconvertir dans quelque chose qui reste du domaine maritime. Je n'ai jamais travaillé en plaisance et en port civil. Donc il faut s'adapter au local et aux plaisanciers qui ont quand même des techniques différentes des militaires.
Il y a une bonne équipe, assez jeune, assez dynamique. On s'intègre assez vite à cette équipe. Et on est tous polyvalents sur les travaux, donc on tourne tous les uns avec les autres. Ça permet de rencontrer tout le monde et de faire les tâches avec tout le monde. L'été, c'est les bateaux. Et l'hiver, à part les pontons, on s'occupe aussi de l'entretien des quais, des bornes électriques, de tout ce qui est peinture. C'est magnifique. On est au soleil toute l'année et on est une bonne société, un bon patron. On est entre nous et c'est agréable de travailler. Et c'est comme ça qu'un port sur la Côte d'Azur vit les saisons. Entre les grosses œuvres et rénovations de l'hiver et la gestion de ses VIP l'été, l'équipe de la capitainerie du port Camille Rayon, tout en restant discrète, reste à la hauteur. C'était Port Camille Rayon, une affaire de famille. Et avec moi sur le plateau aujourd'hui, j'ai monsieur Pierre Rayon, président directeur général du port, et monsieur Claude Blackman, administrateur du port. Alors, l'un de vous peut m'expliquer l'origine de ce port, d'où il est né ? Bien, écoutez, moi je suis le fils d'un visionnaire qui s'appelait Camille Rayon. Et ma sœur et moi-même dirigeons ce port, accompagnés de nos administrateurs, dont j'ai monsieur Claude Blackman auprès de moi aujourd'hui. Et ce port est le symbole du joyau de tous les ports qu'a fait Camille Rayon dans toute sa vie. Et ceci grâce, accompagné par les gens comme monsieur Henri Taylor et messieurs Rodriguez. Et quels sont les enjeux d'un port de plaisance dans la région PACA, monsieur Blackman? Eh bien, écoutez, le premier enjeu, c'est un enjeu économique, bien sûr. C'est de première importance. Il faut savoir que le port Camille Rayon est le premier employeur de la commune, valorise Golfe-Juan, y compris ce qu'on dit les potiers et autres, en emploi direct, indirect, et d'ailleurs ce qui permet à ce que tous les artisans alentours puissent s'exprimer, qu'ils ne pourraient pas faire s'il n'y avait pas des ports comme celui-ci. Et c'est un port qui justement est prisé, convoité ? Oui, déjà parce que c'est le plus moderne, donc celui qui a les meilleures infrastructures. L'environnement, il est dans ce qu'on appelle la plus belle baie du monde, protégée par en face les îles de l'Hérens, de l'autre côté le Cap d'Antibes en fonction des vents, et surtout prisé par des gens qui aiment l'environnement. Voilà, c'est la baie de Golfe-Juan et le port Camille Rayon. Merci. Et monsieur Rayon, quelles sont les pistes de développement, les pistes pour améliorer un port de plaisance? Écoutez, il y a tout à faire. Demain, on fera mieux. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, le port est un havre de paix. Demain, nous l'ouvrirons encore plus à la ville, puisqu'on a rajouté des kilomètres de promenade pour que les gens se sentent bien. Quoi de mieux que de regarder ces merveilleux bâtiments? Merci. Maintenant, pour notre prochain sujet, on s'est intéressé à la préparation des yachts pour l'été avec le sujet « Les pros du port de Camille Rayon ». Simon Anthony, capitaine depuis 15 ans, connaît bien le fonctionnement du monde des yachts. Il s'occupe à l'année de deux yachts et de leurs propriétaires. Deux débuts de saison importants, c'est les Festivals de Cannes, qui est plutôt vers le 12-17 mai, et les Grands Prix de Monaco, qui est la fin du mois mai. Et là, les bateaux sont loués, ils ont une place à port à Cannes ou à Monaco, et ils font les fêtes à bord les bateaux pendant ces événements. À partir de là, on est en juin, juillet, août, et on voyage partout dans la Méditerranée, dans les Adriatiques, et tous les points, je veux dire, importants d'être vus dans la Méditerranée. Voilà. Nos bateaux sont les hôtels 5 étoiles flottants. Ce que les clients ne voient pas en bas, c'est tout ce qui est moteur, tout ce qui est engineer. Ils voient tout ce qui est en haut. Les charges de tous nos batteries, les batteries de les moteurs, les bateaux service, combien de gasoil on a à bord. Chaque bateau est différent. On a trois types de propulsion sur les bateaux. On a les hélices traditionnelles. On a une hélice qui s'appelle Arneson, et Arneson, c'est un arbre d'hélice qui bouge. Et finalement, on a ce propulsion hydrojet. Et tout ce qui est électronique à bord, électrique, ça génère
un champ électrique autour du bateau et on accroche sur les coques et sur les parties métal et les anodes vont être attaqués par l'électrolyse à la place des métal et l'équipement du bateau. Stéphane Delfino, importateur d'une marque de bateaux norvégiens, est responsable de plusieurs bateaux sur le port. Il travaille aujourd'hui sur un open de 8 mètres. Ce bateau, on l'a livré neuf il y a 2 ans et je viens donc de le vendre. Il part pour le Danemark, donc on est en train de le préparer pour le transport. On est en train de démonter quelques éléments et on va le préparer pour son transport. L'hiver, Stéphane s'occupe aussi du gardiennage à flot. Et si le bateau reste à l'eau, c'est à lui de le réveiller au printemps. Voici sa recette. Le bateau est hiverné, donc tous les coussins sont protégés, les moteurs sont hivernés. Donc à l'approche de la saison, on va remettre en fonction tous ces éléments. On va sortir le bateau dans un chantier, donc le mettre à terre. On va faire une nouvelle peinture sous-marine, on va faire la révision des moteurs. Ensuite, on va essayer le bateau en mer, s'assurer que tout fonctionne. Si on décèle des problèmes, on va les régler de telle façon que quand le propriétaire arrivera, il pourra profiter pleinement de son bateau sans se soucier des éléments qui sont relatifs au nautisme. Sur le port, l'homme de la situation, c'est Marc Bourdon. Il tient la concession d'une marque de moteur qui se trouve dans la plupart des bateaux de plaisance. Je suis là enfin, depuis le début. Donc, j'ai commencé là-dedans en mécanique bateau en 85. Et j'ai connu le tout début du port, de nouveau port de Golfe-Jean. Les clients ils nous contactent souvent par le site internet. Si on peut réparer, c'est une réparation vite faite, on la fait sur le super yacht. Ou si c'est trop grave, on est obligé de la débarquer, la ramener sur le port et la sortir de l'eau pour pouvoir la réparer, quoi. Le chantier Rodriguez, pour nous, c'est une facilité de travail parce qu'on peut poser un bateau et le laisser même un mois, ça leur passe pas de problème. S'ils ont de la place, on travaille vraiment en collaboration, il n'y a pas de souci avec eux. Construire, vendre ou naviguer, la plaisance est pleine d'acteurs professionnels qui, pour la plupart, n'y voient pas qu'un simple travail. C'est un plaisir. Imaginez, on était en voyage partout dans la Méditerranée. On est privilégié d'un côté d'être dans les endroits extraordinaires et d'arriver en mer et pas par les routes. Ça donne un aspect différent de chaque endroit qu'on visite. Et bien sûr, c'est un plaisir. Moi, je suis payé de faire quelque chose qui me fait plaisir. Les techniciens du port qui travaillent en toute discrétion arrivent bientôt à fin d'œuvre. L'été va pouvoir démarrer en fanfare avec le Festival international du film à Cannes ou encore le Grand Prix de Monaco. On leur souhaite à tous une belle aventure et une belle saison. La rédaction du Littoral vous remercie pour votre fidélité, vous dit à bientôt et bon vent.